J'avais environ 6 ans. Je sortais d'une partie de hockey de l'aréna. Il faisait un froid sibérien tel qu'on les connaît en Abitibi-Témiscamingue. J'avais une patate frite entre les mains. Et c'est là que j'ai aperçu du coin de l'œil cette magnifique église orthodoxe russe. Étant originaire de Malartic, je n'avais jamais vu cette église. Je me suis intéressé à la religion orthodoxe par un concours de circonstances. J'ai fait mes études en histoire à l'université et je me suis spécialisé sur les pays d'Europe de l'Est, à leur histoire. Lorsque je suis revenu en région, j'ai eu l'opportunité de refaire l'histoire de la communauté orthodoxe de l'Abitibi-Témiscamingue et de leurs charmantes églises. Mon nom est Vincent Rousson. Je vais vous raconter la belle histoire de la communauté orthodoxe russe ici en Abitibi-Témiscamingue, des deux prêtres qui ont officié de 1952 à 1982 et de ces belles églises. La construction des églises orthodoxes est venue directement de la communauté. Ceux-ci ont fait des efforts presque surhumains afin de ramasser l'argent nécessaire pour construire les églises. Les femmes étaient chargées de parcourir la ville afin de ramasser des dons. Ils ont fait des soupers pique-niques, des soirées dansantes afin de ramasser le plus possible des sous pour construire les églises. Un exemple, l'église Saint-Georges de Rouyn-Noranda a coûté 30 000 $ à l'époque à construire. Un fait intéressant également, c'est que les communautés culturelles de la région ont tous aidé à construire les églises. Ça arrivait souvent qu'un Polonais, un Ukrainien qui n'était pas orthodoxe participe également à la construction des églises. Ce qu'il y a de particulier avec les églises orthodoxes russes en Abitibi-Témiscamingue, c'est bien leur architecture. Les deux églises que l'on retrouve en région ont été bâties sur le même format que les églises orthodoxes qu'on retrouve en campagne, en Russie et dans les pays d'Europe de l'Est. De plus, ce qui est totalement extraordinaire, c'est les coupoles qu'on retrouve sur les églises. Ces coupoles de forme allongée représentent la flamme, une flamme divine que nous, sur Terre, offrons au Seigneur, offrons à Dieu. Voilà la signification de ces coupoles de forme bizarre que l'on retrouve sur les églises. Tout au haut des églises, on retrouve également une croix. Mais la croix orthodoxe russe est différente de celle que l'on retrouve pour nous dans la religion catholique. Cette croix a trois branches, dont la dernière est penchée sur un côté. Il y a deux significations à cette croix. La première, toute simple, c'est que lorsque Jésus est monté, parce que selon les orthodoxes, Jésus est monté de lui-même sur la croix, lorsqu'il aurait posé ses pieds sur la barre, celle-ci aurait penché d'un côté pour démontrer l'importance du personnage. La deuxième raison, c'est à la droite de Jésus, lorsqu'il était sur la croix, il y avait le bon larron et à sa gauche, le mauvais. Étant donné que le bon larron s'est confessé, celui-ci est allé au paradis et c'est une raison pourquoi la croix penche du côté droit. Une autre particularité des églises, c'est que celles-ci doivent être orientées de l'ouest vers l'est. L'église de Val-d'Or est orientée de cette façon, tandis que celle de Rouyn-Noranda ne l'est pas. La signification est simple. Lorsque Jésus va revenir sur la terre, la Bible nous indique que celui-ci va arriver de l'est. Donc, c'est pour ça que les fidèles s'orientent vers l'est lorsqu'ils sont dans l'église, car ils font face à la lumière, au Seigneur. Il y a trois grandes parties dans une église orthodoxe. Nous avons le vestibule à l'entrée. Je me retrouve présentement dans la seconde partie, la nef. C'est ici que les fidèles se retrouvaient pour la célébration. Cette partie représente la terre. La troisième partie, et derrière moi, c'est le sanctuaire. C'est là où le prêtre passe la majorité de son temps durant la célébration. Cette partie représente le ciel, le paradis. Ce qui est important dans une église orthodoxe, c'est l'iconostase, la cloison de bois qui sépare le ciel de la terre. Cette iconostase a été bâtie par le premier prêtre, M. Féodor Ostoutchenko.
il l'a bâti de ses propres mains avec une scie sauteuse. Ce qu'il y a de particulier dans cette iconostase, c'est que nous retrouvons à la fois des images orthodoxes et des images catholiques. La raison est fort simple, c'est que lorsque M. Oustouchenko a bâti l'iconostase, il n'avait pas à sa possession tous les objets dont il avait besoin pour créer son iconostase. Il a ainsi emprunté des images catholiques pour pouvoir la garnir. Le premier prêtre orthodoxe russe à venir s'installer ici en région a été M. Féodor Oustouchenko. Son histoire est assez abracadabrante. Celui-ci est né en 1890 près de la ville de Rostov, en Russie. Un peu plus tard, il décide de devenir professeur et enseignant. Il se marie également. Or, il se lasse très rapidement de son travail de professeur et décide tout bonnement de devenir prêtre orthodoxe. Celui-ci va devenir prêtre en 1915. Malheureusement pour lui, quelques années plus tard, le régime communiste prend le pouvoir en Russie et M. Oustouchenko est exilé en Sibérie. Il y passera les 10 prochaines années de sa vie. À son retour, il décide d'aller prêcher la bonne nouvelle. Mais le régime communiste en décide autrement et il est envoyé une seconde fois en Sibérie. C'est lors de son deuxième séjour que son épouse décède. Une fois sorti du goulag soviétique, M. Oustouchenko n'a plus de raison de demeurer en Russie et décide de s'exiler en Allemagne, où il ira prêcher la bonne nouvelle également. Il passera quelques mois et il se rendra ensuite en Belgique pour aider à la construction d'églises orthodoxes. Quelques années plus tard, en 1952-53 pour être exact, M. Oustouchenko est envoyé ici au Canada pour travailler, pour bâtir des églises. Il arrive dans le nord-ouest québécois, à Val-d'Or plus précisément, où il va y demeurer jusqu'à son décès en 1957. Durant son séjour en Abitibi-Témiscamingue, M. Oustouchenko va bâtir l'église de Val-d'Or, l'église Saint-Nicolas. Il va bâtir également l'église de Rouyn-Noranda, l'église Saint-Georges, et l'église de Kirkenlake, l'église de la Transfiguration. Lors de son décès en 1957, M. Oustouchenko était âgé de 67 ans. L'histoire du deuxième prêtre, celle de David Shevchenko, est aussi passionnante que celle du premier prêtre. David est né en 1891 en Ukraine. Celui-ci va ensuite s'enrôler dans l'armée du Tsar où il deviendra officier militaire. Il sera envoyé à Vladivostok, à l'extrémité est de la Russie. Malheureusement pour lui, le régime communiste va prendre le pouvoir en 1921. Il sera forcé de s'exiler en Mandchourie au nord de la Chine. Celui-ci va ensuite se rendre aux Philippines, où il va demeurer. Il va devenir prisonnier des Japonais. Ceux-ci vont l'amener dans un camp de concentration. Durant son séjour dans ce camp de concentration, un typhon va ravager les Philippines. Craignant mourir, M. Shevchenko va demander à Dieu son aide et va promettre de devenir prêtre si celui-ci survit à la catastrophe. La providence aidant, M. Shevchenko va survivre au typhon et, respectant sa promesse, va devenir prêtre orthodoxe. Il va s'enrôler en 1949 au séminaire orthodoxe de Shanghai. Lorsque M. Oustouchenko, le premier prêtre, décède en 1957, la communauté de Val-d'Or va faire la demande auprès de l'archevêché orthodoxe du Canada pour recevoir un second prêtre. L'archevêché va donc envoyer M. Shevchenko. Son séjour ici, en Abitibi-Témiscamingue, était supposé être temporaire, quelques mois, peut-être quelques années, en attendant un remplaçant. Or, M. Shevchenko est demeuré parmi nous jusqu'en 1982, l'année de son décès. En tout et partout, il y avait 4 églises dans la paroisse de M. Shevchenko. Celui-ci demeurait à Val-d'Or, tout comme Féodor, le premier prêtre. Il pouvait célébrer une célébration à Val-d'Or, prendre ensuite l'autobus et se rendre à Rouyn-Noranda pour célébrer une deuxième célébration. Il allait ensuite au terminus d'autobus où il prenait un repas, souvent dans la cuisine du restaurant. Après son repas, il reprenait l'autobus et se dirigeait vers le nord-est ontarien. Une fois en Ontario, il prenait la décision soit de se rendre à Kirkenlake, par la suite à Kearns, ou de Kearns à Kirkenlake. Il pouvait également coucher chez des fidèles si jamais la température n'était pas très clémente. Après ces célébrations, M. Shevchenko retournait à Val-d'Or, à sa résidence. L'Abitibi-Témiscamingue a la caractéristique d'être une région cosmopolite.
d'innombrables immigrants sont venus s'installer ici en région. Ils sont venus d'Amérique du Sud, d'Europe, d'Afrique et même d'Asie. Malheureusement, pour certains d'entre eux, leur adaptation à la communauté canadienne française et anglophone de l'Abitibi-Témiscamingue n'a pas toujours été facile. Un exemple, durant la période de la guerre froide, plusieurs immigrants d'Europe de l'Est ont été accusés à tort et à travers d'être des communistes et des voleurs d'emploi. La communauté orthodoxe de l'Abitibi-Témiscamingue est malheureusement réduite à environ une dizaine de personnes aujourd'hui. Plusieurs d'entre eux sont décédés, mais la majorité sont retournés dans le sud de l'Ontario et du Québec retrouver leurs enfants. Plusieurs efforts ont été déployés afin de sauvegarder les églises. En Ontario, malheureusement, les efforts n'ont pas servi à grand-chose. Une des églises a été détruite et la deuxième n'est pas en très bonne condition. L'église de Rouyn-Noranda a été sauvegardée par la ville en 1984. Celle-ci s'en sert aujourd'hui pour des fins touristiques. En ce qui concerne l'église de Val-d'Or, la communauté valdorienne essaie tant bien que mal de la préserver. Les églises orthodoxes en Abitibi-Témiscamingue sont le témoin de l'importance et de la diversité culturelle qu'il y avait ici en région. Les efforts pour les conserver devront continuer afin de perpétuer le patrimoine, pas seulement pour nous, mais pour les générations à venir.